Ce matin, chez ce fleuriste ajaxien, les clients affluent pour acheter le traditionnel brin de muguet. Et certains prennent le temps de le choisir. Bien vert. Et en pot. Et en pot, en terre, on préfère, pour pouvoir le replanter. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les budgets. Cela fait une semaine que tout le monde s'active dans la boutique pour préparer cette journée incontournable. Une des plus importantes. Avec la fête des mères, c'est les deux grosses journées de chiffre d'affaires d'un fleuriste. Et ce, malgré la concurrence des vendeurs qui fleurissent sur le bord de la route. Statut d'auto-entrepreneur, carte professionnelle, autorisation d'occupation temporaire. Patricia Franceschetti est en règle. Cela fait 10 ans qu'elle est installée sur la rocade chaque 1er mai, mais pas seulement. Je fais le rameau et je fais aussi pour la fête des mères, la fête des grands-mères. Et à la fin d'année, je fais les chrysanthèmes aussi. Toujours au même endroit ? Oui, ça c'est ma place. Ça l'est réservé celle-là. De plus en plus de professionnels fleuristes ou pépiniéristes s'installent sur la voie publique le 1er mai pour capter cette clientèle.